Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Camilla et toi, vous auriez pu m'abandonner. Mais vous m'avez sauvé la vie. Merci. J'ai reçu un message du père Pietro à Verdera. Il a la machette de papa. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Il n'y a pas de problème, mon frérot. Merci. Salut à toutes et à tous. Merci. Il est 16h. Comment allez-vous, les amis? Ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Malheureusement, dans le dernier épisode, tout le monde est mort. Des gens bien, des gens pas bien aussi. Surtout des gens pas bien. Et ça, c'est cool. Mais les gens bien sont morts. Et ça, c'est un petit peu moins cool. Les amis, aujourd'hui, là, on va parler au père Pietro. Il est à l'église de Verdera, celle où nous avons secouru Alejandro. Il est sans doute en train de nettoyer le bordel qu'a laissé José. Voilà, José qui est le neveu du dictateur et je crois qu'il est mort. Alors, on pourrait se téléporter rapidement, hein, puisque nous avons accès à la téléportation. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si l'église est détruite, parce que normalement, c'était le bordel, il y a eu des chars et tout, donc normalement ça va être détruit. Mais j'ai envie d'y aller en avion. Est-ce que c'est possible? Parce que... Oh oui! Parce que j'ai pas encore fait de l'avion, moi. Et on va sauter de l'avion et on va voir si on a un wingsuit. Parce que je crois qu'on a un wingsuit. Si je dis pas de bêtises. Enfin bref, plein de belles choses. Afficher les commandes. Comment ça marche? Je sens que ça va être la merde. Comment ça marche? Ok. Ok, ok. Ok. Ah oh oui, c'est d'accord. C'est Clara, terrible. On s'est fait piéger. Carlos est mort et Alejandro est pas tellement en meilleur état. Dani, tu ne peux pas les laisser détruire cette famille. On a besoin des Montero pour éliminer José, mais aussi pour prendre Esperanza et se débarrasser d'Anton. Ok, Clara, je vais trouver une solution. Et oui, n'oublions pas Clara, évidemment. Toujours. Toujours avec nous. Attends, violation de propriété, on va éviter de se faire descendre. Normalement, on a détruit une bonne partie des canons anti-aériens, donc ça devrait le faire. Et regardez, on va faire un truc stylé, on va prendre de la hauteur. Si ça marche. Je crois que je perds le contrôle un peu, non? Non, c'est bon. Vas-y, on monte. Et on saute. C'est parti. Wingsuit. On a le wingsuit, les gars. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, comment il se contrôle? Voilà. Oh, c'est trop stylé. Du coup, là, on va rendre un dernier hommage, évidemment. On va chercher l'épée, enfin le sabre de notre ami Carlos Montero, qui est malheureusement décédé. Et l'église est en effet un petit peu cassée, j'ai l'impression. J'ai pas plus l'impression que ça, à vrai dire. Et ben alors, il n'y a plus de garde par ici, ou ça se passe comment, là? Ça fait moins les malins, là. Hop là. Bonjour à tous. Cet endroit sera plus jamais le même. Tu m'étonnes. Lo siento, Carlos. Tu m'étonnes. Alors, on va peut-être pas faire une minute de silence, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On a quelque chose encore par ici. Une petite affiche. Ça parle de dictature, il y a juste des gardes là. Vous voulez que je les bute ou pas? Oh, c'est un petit bar et tout. Il fait bon vivre, hein. Il fait bon vivre par ici. J'ai bien entendu un truc cette fois. Mais c'était moi, les gars. Ouais, tu vas faire quoi si je dégage pas? Tu veux ma photo? C'est quoi ton problème? Comment il se tient, lui? Regardez. Ok, bon, ça va. Ils sont gentils. Fils del Presidente. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un véritable fléau qui ravage Allez. Notre beau pays. Ce fléau a un nom. Liberta. Salut Pietro. Je peux t'aider? Bien que c'était... Vous êtes le père Pietro? Oui. Alejandro m'a dit que tu viendrais. Je me souviens du jour lointain où j'ai célébré le mariage de Carlos et sa femme. Je suis désolé. La machette n'est plus là. Quoi? Que s'est-il passé? Les soldats. Ils sont sans doute dans leur bar préféré, pas loin d'ici. La Raja. Je le marque sur ta carte. Merci, mon père. Et désolé pour tout ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les soldats l'ont prise. Et ils devraient être à la Raja. Pas loin d'ici, c'est quand même à 1 km. Mais on peut se téléporter rapidement ici. Et ça, c'est la classe. Ok, eh ben on va aller là-bas. Putain, qu'est-ce que c'est chiant.
Qu'est-ce que c'est chiant. Et je suis en train de penser, attendez. Parce que bon, moi, ce village-là, cette église, me fait aussi penser à cet enculé de Bembe. Non, excusez-moi, mais on peut le dire quand même. Bembe, d'ailleurs, il est où? J'ai oublié où c'est que c'était. Où c'est qu'on était? C'est ici, non? Il me semble que c'est là. C'est pas là qu'il y a Bembe? Je ne sais plus. Bref, vous savez, vous vous rappelez, Bembe, celui qui s'est fait passer pour un prêtre. Et on va se taper. Et puis voilà, il nous avait... enfin... Ah, pour régler les dettes. Oh là, il y a tellement d'histoires. Ça, c'est avec le camp des Maximas. Oh là là, il y a tellement de camps. C'est... Et encore, pour le moment, ça va. Par ici. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Ah, bon ben, je peux pas. Alejandro, comment ça va? Ça va, enfin, je crois. Tu as la machette? Pas encore. Elle n'était pas dans l'église. Coronis, où est-ce qu'elle pourrait être alors? T'en fais pas pour ça, mon grand. Je suis sur le coup. Merde alors, c'est notre camarade. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Danny? Ça te dit de redevenir un pirate, Benito? On a besoin de ressources, de tuyaux, d'alliés. Il n'y a que toi pour nous trouver ça. Je t'envoie tous les gens que je libère. Ils se feront un plaisir de se rebeller contre Anton. T'auras bientôt une petite armée de pirates rien qu'à toi. Les bandidos de Benito. Je vais pas te mentir, ça me vend du rêve. Commence à m'envoyer du monde et je guetterai les opportunités sur le terrain. Viva Libertad! Mais c'est incroyable! Viva Libertad. Mais c'est incroyable! Danny? Quoi de neuf? Je voulais te dire, je sais que c'est difficile de me faire confiance. Il y a plein de nouveaux dans le camp ces jours-ci. T'inquiète, il n'y a pas de problème, juste j'en ai marre. C'est incroyable! Los Banditos, lancer des opérations de bandits déployant des chefs et des recrues. Vous pouvez obtenir des recrues en libérant des otages, etc. Mais c'est incroyable! Mais attendez, mais c'est incroyable! La loi de la jungle. Benito a égaré une arme expérimentale des FND en prenant la fuite. Et... Eh ben, on va désigner Benito comme chef et on va l'envoyer. Et là, il fait une mission. Mais c'est incroyable! Il y a plein de nouveaux dans le camp ces jours-ci. T'inquiète. C'est vrai. Mais tout le monde ne pardonne pas si facilement que toi. C'est pas à moi de pardonner, allez. Tu feras de ton mieux. J'en attends pas plus. Bon, excuse-moi, ma sœur, dis-moi. Qu'est-ce que tu peux me dire? Danny, il y a un largage en approche. Récupère-le avant l'armée, il nous faut ses ressources. Gracias. Eh bah vas-y, c'est où? Attendez, parce que si c'est trop loin, la flemme. Attendez. What? Non, mais là, c'est la machette, là. Il est où, ton largage? Je sais pas où il est, ton largage. Tu me dis des trucs, mais il n'y a pas de largage. Bon, bah, va te faire foutre. Allez, bon, nous, on y va. Et du coup, regardez, putain, c'est trop bien, on a ce... J'adore cet hélicoptère, mais on va pas y aller comme ça, on va y aller... c'est à 200 mètres, les gars. Oh, putain, t'as raison. Oh non, j'ai envie de me balader. Je sais pas vous, là, mais regardez. C'est super joli. Autant en profiter de cette map copier-coller, plate, géante, alors qu'il y a rien. C'est ironique, hein. C'est ironique. Donc, on va se promener, c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est très joli. Et c'était une bonne idée d'avoir acheté des camps un petit peu partout. Parce qu'à chaque fois qu'on va libérer des otages, comme on a tendance à le faire, eh ben, ça nous sera fort utile. Et ça, c'est vraiment top. Apparemment, il y a des méchants ici. Eh, on va se les faire, hein. Moi, je... Aucune pitié aujourd'hui. Aucune pitié aujourd'hui. Ah, ils doivent être en dessous. Ils doivent être en dessous. Oh, bah, attendez. Voilà l'officier. Ah oui, attendez, là, ça rigole pas. Parce que du coup, là, c'est un bar. Est-ce que les citoyens ont le droit d'aller dans le même bar que les militaires du dictateur? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans tous les cas, ça va partir en queue, hein, disons-le. C'est vrai que j'aurais dû prendre mon hélicoptère, en fait. Ah oui, non, regardez, c'est surveillé, en fait. C'est totalement surveillé. Un sniper. Ah, c'est en effet embêtant. Si vous voulez, c'est un peu un avant-poste, quoi. Bon, bah écoutez... Pas bien grave. On va se débrouiller avec ça doit être ce bar. Les moyens du bord. Bah évidemment que c'est ce bar, c'est évident. Tu te poses trop de questions, Danny. On dirait moi. Oh là là. Ok. Ça va partir en couille. Alors 1, 2, 3, 4. Un lance-flamme. Oh putain. 5 et 6. Lui. Et lui, c'est les pires. D'accord. Bon, il n'y a pas de renfort. Oh putain, il m'a fait peur lui.
Oh là 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 là. Malade. Le lance-flamme, si je tire dessus, il brûle, je pense. Ah, j'avais envie de tenter un truc, mais j'ai un petit peu peur quand même. Franchement, c'est stylé si on se fait une belle infiltration. Comment je pourrais descendre ? C'est parce que là, je vais mourir. On connaît le jeu. Attendez. Très bien. Très bien. Ah, on va faire ça bien, les gars. On va faire ça bien. Oh putain. Bon, ils ont des véhicules ici, c'est bon à savoir. Très très bon à savoir. Il y a une personne en plus, ok. Ça fait chier. Le sniper là-haut, il va me causer du tort. Parce que là, je pourrais les prendre par derrière eux. Putain, il m'a fait peur. Oh, il y a tout qui me fait peur ici. Attends. Juste le rouilla. Dis-moi qu'est-ce que tu as pour moi. Qu'est-ce que tu sais? Ravitaillement en approche, camarade. Faut que tu l'atteignes avant les soldats. Merci mille fois. D'accord. Ah, c'est ici. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Il y en a un peu partout. Hein. Bon, c'est de la poudre à canon, C'est pas terrible. Hein. Mais on ira à l'occasion. Mais c'est vrai que c'est pas terrible. Je pourrais tenter une approche, mais par l'eau, je pense que je vais me faire cramer. Vas-y, fais un petit peu plus de bruit pour voir. Allez, un petit cocktail, un petit mojito. Qu'est-ce que vous voulez que je vous serve, dites-moi. Ah, ils font chier, ils parlent maintenant. J'ai une idée. Eh, hey, on est là pour s'amuser aussi, hein, maintenant qu'on a compris le jeu. Guapo. Guapo. Comment on fait de nouveau comme ça? Yes. Vas-y, Guapo. Voilà. Chope-moi ça. Vas-y, Guapo. Vas-y, Guapo. Le lance-roquette est mort. Guapo est à terre. Il reste le sniper et le lance-flamme. Attends, Guapo. Relève-toi. C'est bien, frérot. Vas-y, mort. Lance-flamme mort. Sniper, c'est Guapo qui s'en occupe. Je veux voir ça, moi. Je veux voir ça. Vas-y, Guapo. C'est bien, Guapo. Bravo, mon pote. Tu mérites de la viande. Oh, une petite caresse. Ouh, c'est trop mignon. Gentil, Croco. T'as bien joué, frérot. Ça, ça fait plaisir. Bon, on va laisser les collègues se débrouiller. Hein. Il y a une guerre qui n'est pas la mienne. On va récupérer juste ici la machette. Ramène à la maison. Hop là. Allez, Randro, je l'ai. Ah, parfait. Dieu soit loué. La machette de ton père appartient au Montero. Et elle restera dans la famille. Gracias, Dani, d'avoir fait ce que j'ai pas pu faire. À bientôt. Ce qui me fait plaisir, c'est que Dani, elle s'est vraiment, donc notre personnage, elle s'est vraiment mis dans le camp, quoi. Elle fait partie des Montero maintenant. Limite, elle est plus Montero que Libertad, si tu veux, tu vois. C'est fou, ça. Vas-y, ta gueule, toi. El Presidente Yaran, pour le caramel liquide, verser du sucre. Je m'en fous, moi, je suis pas custo. Je sais pas comment ça marche. Ok, livrer la machette à Allen. Oh. Attends, il y a un lieutenant. Oh là là. Eh, lieutenant, tu tues pas les gens comme ça, hein. Ça va? Pas exagérer, hein. Attends, je vais le sauver. Je suis avant tout un sauveur. Voilà. Ça dégage. J'ai été touché. T'inquiète. Allez, ça va aller. Relève-toi, frérot.
Voilà. Je serais mort. Ah ouais, non, mais là, il y a une vraie guerre, là, les potes. Il y a une vraie guerre. Un puma ! Je change de position. Non, mais c'est qu'il y a plein d'animaux, là. C'est une guerre contre les animaux ou quoi ? Il y a plein de chevaux. Bon, c'est safe. Allez les amis, perdons pas plus de temps avec ces conneries. On va déplacement rapide, évidemment, je suis en combat. Arrête tes conneries, arrête, c'est bon, c'est trop. Viens pas me dire que je suis en combat. Bah c'est pas grave, on va rouler les amis. C'est à 1000 mètres, comme ça on va un petit peu s'amuser. Hop. Eh, un chalumeau et les pneus sont réparés. C'est aussi simple que ça les frérots. Eh ouais. C'est parti. La li la li la pa 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 la 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 pa pa. Oh putain. La li la li la, ça passe. Ta 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 ta. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, évidemment. Si vous kiffez toujours autant. Salut Sandaven, ça va? Ah, tu vas encore me parler d'une livraison, c'est ça? Faut pas me lâcher. Oh, t'es chiant. Oh, ils sont tous chiants. Est-ce que je peux me TP? Oh, je suis en action, bien sûr. Mais bien sûr. Ouais, tu te démerdes. Débrouille-toi. Oh bah oui, mais non, mais non, mais c'est trop. Allez hop, ça dégage. Oh là là. Oh, c'est vraiment violent, hein. C'est vraiment un jeu violent, hein. C'est un jeu... Eh, hey, c'est comme les combats de coq. C'est un scandale. Hop là, on va s'improviser un petit chemin. Hop là, par ici. Oh, y'a un tank. On est où là? Ah, c'est un de nos postes de contrôle. Et on a un tank. Mais attendez, c'est génial. On a jamais roulé en tank. Eh, il faut une première fois à tout. Comment ça marche? Oh. Alors là, mon pote. Alors là, vas-y. Ça va pas tirer. C'est bon. Ah. Ouais, alors tank contre tank, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. C'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Dégage. Je suis dans la merde. Bon allez, je m'arrache, c'est bon. Vous m'avez saoulé, moi je... Et puis en plus c'est là que je dois aller, oh là là. C'est là que je dois aller, c'est par derrière. Hop. Demi-tour. Ça dégage. Pas le temps pour vos conneries. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, et moi je vais... je vais là-bas. Allez, c'est parti. Putain. Ouais, la puissance du char. Et il est puissant, hein. Allez, on y va. On cherche la merde avec tout le monde, nous, hein. C'est des civils. J'ai failli faire une dinguerie, hein. J'ai failli faire une dinguerie. Viva la libertad! Bon, c'est très très long, c'est très très chiant, hein. On va très vite abandonner, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hop là! Ah, il y avait des trucs à récupérer là. On était passé par là dans le dernier épisode après la mort de Carlos le calamar. Maria Guiterrez, mère aimante et agricultrice honnête, vaya con Dios. J'ai kiffé la scène dans le dernier épisode où le dictateur du coup a remis Rosé à sa place. Bon, ils l'ont buté, mais ça va. Où t'as trouvé cette bestiole? T'as réussi à faire peur à Castillo. Ouais. T'as vu ça? Je suis un beau gosse. Bon, ben on va continuer. On va continuer à pied. Oh, ben on va continuer à pied par là. On va couper. Pourquoi se casser la tête? Bon, en fait, je peux totalement me téléporter, je pense. Maintenant, j'ai de nouveau le droit de me téléporter, s'il te plaît. Oh là là. Déplacement rapide vers un emplacement de mission actif. Mais
Déplacement rapide vers... Ah oui, non, d'accord. Ok, je viens de comprendre. On peut pas se téléporter parce qu'il y a justement une mission qui devrait déclencher une cinématique. On a compris comment Ubisoft fonctionnait et c'est très bien ainsi d'ailleurs. Donc, on n'a pas le choix. Calmez-vous. Qui c'est qui me tire dessus là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Sans déconner quoi. Bon, on aura découvert beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Le char, le wingsuit, l'avion. Beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que l'avion, ça fait lever les yeux. Tandis que les femmes, ça fait évidemment lever la cinématique qui arrive incessamment sous peu, ou pas. Allez, j'ai ta machette, frérot. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Voilà. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. C'est pas parce qu'on t'a sauvé que tu as une place chez nous. Arrête. C'est l'enterrement de son paternel. Carlos contre Alejandro. Quelle arnaque. Alejandro. T'en as assez fait. Phil. Espada, c'est ton frère. Ouais, pas le tien. Ça va, ta jambe? Je connaissais pas ton père, mais ma famille a bossé pendant 50 ans sur ces terres. Écoute, j'ai des infos sur le général José. Laisse-moi t'offrir ses lieutenants, s'il te plaît. Il vous faut des uniformes, camarade. Putain, pardon, excusez-moi, mais pendant un moment, j'avais pas compris. Hein. Et j'avais oublié qu'il y avait en effet des soldats corrompus, et heureusement, parce que là, j'étais mais sincèrement perdu. C'est magnifique. C'était une belle scène. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il se fait traiter ainsi. Parce qu'il est très sympa. Toi, tu rentres chez toi. Hein. Ça, c'est bon, tu m'as saoulé. Mais c'était une belle scène, et c'est un beau paysage. C'est un beau paysage. On est potes avec des soldats du FND, c'est quand même assez excellent. Bref, les amis, on va pas s'en arrêter là. On va parler à Alejandro. On va parler à Alejandro. Alejandro, pardon. Un petit combat de coq, ça vous dit? Ça va, je plaisante. Sinon après, je vais avoir les assos sur le cul. Il est où Alejandro? Alejandro. Il doit être. C'est pas lui. Il doit être dedans. Donc on y va, on va s'occuper des affaires de famille, et de la famille Montero. Alejandro! Dis-moi. Au camp, tout le monde m'ignore. Du coup, j'ai pu les observer. Ils veulent faire tomber José Castillo. Mais ils travaillent pas ensemble et ne réfléchissent pas. Je connais cet enfoiré de José. Pour le faire tomber, faut prendre le contrôle du ciel. Si on détruit ses canons anti-aériens, il sera sans défense. Bien sûr, bien sûr. Je veux bien, merci, moi. Merci, Danny. Et bonne chance. Mais où ça? Parce que j'ai déjà détruit des canons anti-aériens. Ah, celui-là. Tu veux que je détruise celui-là? Mais j'ai comme l'impression de l'avoir déjà fait. Mais manifestement non. Très bien. Eh bien, nous allons faire ça. On va y aller d'ailleurs de ce pas parce que c'est assez rapide et facile. Donc on va s'en occuper. Attendez, c'est par là-bas. Voilà, je me disais bien, je ne trouvais plus. Par contre, ah oui, j'allais dire, on va y aller en avion, mais pas du tout. Parce que si on y va en avion, bon bah voilà. On va déjà se faire exploser la gueule. On va demander un petit cheval. Hop, au hasard, et on est parti. Vamos. Ouais. J'ai peut-être un peu essayé de couper. Je suis un petit peu un dingo, moi, vous savez. Allez. Allez. Vamos a la playa. A mi me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sans la fiesta. J'espère que vous kiffez quand je chante. Je pense que ça doit complètement
améliorer l'immersion au jeu, je pense, hein. Très sincèrement. Je me suis mis dans une merde. Attendez. Ah putain, il a peur le cheval, hein. C'est une petite mauviette. Balance, balance. Il a bien raison. Il a bien raison. En attendant, mon chemin était très rapide et c'est super le cheval. Parce que ça, j'aurais jamais pu le faire en voiture. Allez, mais attendez, mais je l'ai déjà fait ce canon anti-aérien, je vous jure. Tu vas où là? Tu vas où, putain? Mais attendez. Mais je l'ai déjà fait, non? Ah, peut-être pas. Ah, c'était quand on devait détruire les poisons, je m'en rappelle ici. Ouais, ouais, c'est ça. Je vous explique ce que je vais faire. C'est parce que j'ai une arme et elle va m'embrouiller si je... Regardez, je descends, j'ai une arme, elle va m'embrouiller. Donc j'ai préféré faire ça comme ça. Et j'ai bien fait parce que à mon avis, elle va me donner des choses assez sympathiques. Salut copine. Psst, viens me voir. Par ici. Quoi de neuf? Si je me fais choper, je suis morte. T'inquiète. Les ressources sont là-bas, mais pas un mot. Muchas gracias. Oh là là, 12 nouvelles caches. Et là, évidemment, de l'uranium appauvri. On va récupérer ça aussi, évidemment. Profitons-en tout de même. Profitons-en. Allez, c'est parti. C'est bien, bon cheval. Putain, il y a du sniper partout. Hein. Il y a du sniper partout. Ah, c'est un peu dommage, du coup, parce que là où on va... Dani, comment ça se passe? Je suis près de la plantation. Va sur la côte, au sud des champs. Il y a un canon anti-aérien près d'une piste d'atterrissage. Bonne chance. Gracias. C'est dommage parce que là où on va du coup, à ces plantations là, eh ben on était déjà là et on avait déjà buté tout le monde. Doucement. Sauf que bah du coup tout le monde est de nouveau là. Attendez parce que lui il va me... Là 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 là. Voilà, on est venu. J'ai intérêt à me méfier. J'ai intérêt à me méfier, tu ne le fais pas si bien dire. L'uranium est là. Très bien. Et ben, ça va être assez rapide. Une petite dynamite et ce sera réglé. L'aéroport. Enfin, le petit aérodrome, la piste, ok. Ah, je pourrais les éliminer. Ça va, frérot? Oh putain. Genre. Impossible. Comment ils m'ont cramé? Bon, je vais les buter parce que moi je voulais faire ça bien, mais. Ah, mais ils sont trois, putain! C'est terrible! Voilà, barre-toi! Oh là là, il y a un hélicoptère qui arrive au même moment, frérot! Tu crois que c'est le bon moment? Allez. Et voilà. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Viens voir, frérot. Regarde, c'est cadeau. Alors. Quoi? Mais comment? Mais c'est pas vrai. Non! Mais c'est pas possible! Les gars, vous êtes abonnés à un boulet. Mais ça, vous le savez déjà. Ça, vous le savez déjà. Mais... Sans déconner! Non... Oh non, c'est trop! Accéder au bunker souterrain. Non, mais ça m'a tout niqué! Bon, bah y a plus de... Attendez, moi je vais récupérer quand même mon uranium, hein. Je vais quand même récupérer mon uranium. Faut pas déconner. Alors, du coup, j'imagine qu'ils sont de nouveau là. Comme si de rien n'était. Non, il y a personne, c'est bon. Il y a l'hélicoptère, stylé. Bon, il y a plus personne, c'est bon. Ah, j'ai le seum, je suis mort comme un con. Très bien. Allez, à moi l'uranium. Merci.
Et là, on va accéder au bunker souterrain. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu de dialogue ou quoi. Enfin, je crois. Ah. Allez, venez, on fait un truc stylé. Venez, on fait un truc stylé. Allez, salut. Ça, c'est stylé. Et attendez, regardez, on va faire ça encore bien. Voilà. Viva Libertad. Y'a quoi maintenant? C'est qui le boss? Eh bah, ben, c'est moi. Allez les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je me suis encore une fois régalé. Et dans le prochain épisode, les amis, on va accéder à ce fameux bunker souterrain. Et puis voilà, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite, à demain pour le nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 6. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.